pardon. Yo la team, la vidéo, vidéo sympa, vidéo chill détente, pas une vidéo en mode food challenge ou quoi, en mode défi. Là c'est une vidéo à la cool où je vais creuser la terre, faire un potager. On va pouvoir enfin faire pousser nos bennes. Non, en même temps vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Aujourd'hui vidéo pizza. Pizza time. Ah, c'est chaud, pardon. Pizza, pizza maison. Pizza, du coup il y a carrément un four à pizza. Ça fait 6 mois que je vois Paul Dave, le frérot. C'est un petit chef qui fait à chaque fois des pizzas maison comme ça, avec son petit four à bois là, un petit four pizza. Et à chaque fois je me dis, dès que je viens ici à Bordeaux, on fera une vidéo pizza maison. Mais tout maison, la pâte, l'ingrédient, la cuisson, bref, Paul Dave, t'es où? Eh, je suis là, il est là. J'arrive tout juste de Milan, du coup, ah oui j'arrive. Ah, c'était rapide. Rapide. On précise qu'on n'est pas des pizzaiolos professionnels. Mais du coup, c'est quoi, c'est une pizza napolitaine, romaine, c'est comment? C'est toi qui me diras. Entre les deux? Entre les deux. C'est toi l'expert ma pizza, c'est toi qui diras. Ok. Les ingrédients, on va voir ça. Let's go. Pour ce qui est ingrédients, on aura de la mozza di bufala, on en a 3 entières. Une belle burrata bien crémeuse d'épouille. Un mélange de fromage, mozzarella, emmental et je sais plus quoi. Mozza râpée, champignons frais de Paris, aubergine à l'huile cuite au four. Magnifique. Oignon confit, basilic, crème de balsamique, origan, tomate cerise, roquette. Un petit mélange pareil de basilic séché. Bien sûr pour moi, si monsieur Paulave mange vegan, végétarien, moi c'est de la viande. Avec un petit jambon rôti aux herbes, de la bressaola et jambon de Parme. Et bah, du coup, moi je vais faire je pense 3 pizzas bien généreuses. En mode, comme vous savez, XXL, bien garni. Je pense aussi prendre une petite bouffala, la mettre dans une pâte à pizza et la cuire au four. Je sais pas si ça va marcher, on verra bien. En mode de bombo burrata cuit au four. Allez, on allume le four. Let's go. Go. Pour commencer, un peu de papier. Un peu de cagette. Allume les feux. On continue avec du petit bois du jardin. Pour former les premières braises, on ajoute du bois condensé, pellets ou pelé, je sais pas, parfumé à l'origan. On parfume le bois avec un peu de basilic. Et là, on va commencer à avoir la flamme qui va commencer tranquillement et on va pouvoir faire la focaccia. Alors, petite focaccia maison, juste donc la pâte, on va faire des trous avec la main. Voilà, et en fait, les trous ils vont permettre de garder un petit peu l'huile d'olive. Ok, d'accord. Pour la cuisson, ça va l'absorber. Quelques petites herbes. Et hop. Il y a du vent, attention. Ah, il y a du vent, c'est un peu galère. Oh. Allez, au four. T'as vu le four là? De ouf. Ça, c'est pas mal. Allez, flamme. Et maintenant, du coup, allez, sur la pierre. Allez. Allez, 2 minutes après. On peut la sortir, voilà, focaccia maison, juste la pâte, l'huile d'olive, le basilic, on va goûter ça et puis on va tester la pâte, voir si elle est bonne. Mais là, rien qu'à l'odeur déjà, tu vois, ah, je suis à Milan, ça, c'est mon petit plaisir. On va goûter. J'adore, je suis complètement fan. Juste la pâte, un petit peu d'huile d'olive grillée, le petit bout de basilic. Alors moi, bizarrement, je suis sceptique. Je vais goûter hein, un petit morceau là. Hop. Allez. Juste pour la pâte, tu vois. Je vous avoue que le côté croustillant autour, et non c'est moelleux, ah, j'aime bien. C'est juste pour goûter la pâte. Maintenant, ça va être à toi de rentrer en scène. Maintenant, tu fais ta aussi. Pizza avec tes ingrédients. Mes pizzas, t'es sûr? Ça va être pâte, hein. Allez, c'est parti. Ça va être sale, let's go. Bon, moi, pizza version Alan, version costaud. Du coup, on prend un petit bâton. On met ça là. Enfin, ma sous-sang, tout simplement. Moi, j'ai une version entre la romaine et la napolitaine, donc à la fois fine avec des bords bien moelleux. Base tomate. Sur moi, la crème, je suis pas fan. Une base tomate. Allez. On met partout. Un peu de mozza avant cuisson, comme ça, là, sur le dessus de la pâte. On peut caraméliser. Hop, partout. Petite tomate cerise. Allez, la première, c'était un peu le test, hein. Allez, on va la mettre là, et maintenant, qu'est-ce que tu lui rajoutes dessus? Alors, notre jambon de Parme affiné 24 mois, on va mettre quand même ça, un peu en mode bourrin, t'as vu, voilà,
Mais ça, un peu comme c'est gourmand, c'est dans votre food porn là. Là, on est vraiment gourmand, pas mal. Croquant. Et par-dessus, il y a un peu de tomate cerise après cuisson. Donc là, ça va être plus cru, on va dire. T'as vu? Par-dessus, on va mettre un petit peu de origan. Voilà. Avec une belle bouffala. Ah oui, quand même. En plein milieu. Ah oui, je fais un gros. Ah oui. Gourmand, t'as vu? Et dessus. Ah oui. Crème balsamique. T'as décidé de pas blaguer? Jamais. T'aimes ça un peu comme si gourmand là? Et j'ai envie de te dire comment s'appelle cette pizza? J'ai pas oublié, hein, en tout temps. Le basilic. Ah oui. Après cuisson. Comment elle s'appelle? La Alan Food. J'ai envie de dire dégustation? Let's go! Allez, on va couper ça. Petite boîte sympa. En plein milieu. En tout cas, la pâte est bien cuite. Hein. Là, j'aime bien. Jambon de Parme, la mozza di bufala. Ouh! Moi, je suis team plié en deux. Et. On a dit que c'est une vidéo de dégustation. J'ai faim. Mais bon, pâte réussie. Très bien. Bonne chose. Franchement, on se prend une pâte industrielle, machin, cuire au four. Mais là, la pâte maison, avec le four à pizza, lourd. Poldav, pizza Poldav. Pizza du coup veggie. Oh. Pâton de pâte, farine. Petite base très légère, tomate. On va partir sur un peu de mozzarella, non, un peu de fromage, quelques champignons, un peu d'oignon. Aubergine. Allez, au four et on poursuit pendant la cuisson. Voilà, cuisson. Allez, on va sortir la végétarienne. J'ai rajouté un petit peu de tomate et de fromage. On va rajouter un peu de ricotta, ma roquette, le petit trait balsamique. Et maintenant pour moi, à table. Cuillère à soupe de tomates. On étale. Hop. Un peu de mozza. Un pignon. Une caramélisée. Bon, je kiffe ça là. Madine Poldav là, c'est ouh, magnifique. Comme tout à l'heure, on change pas trop. Du coup, on envoie ça en cuisson. Et après, on charge du coup ce qui est après cuisson, charcuterie, fromage et autres. Ok, allez, on va mettre tout bêtement de la bonne bressaola, une poignée de tomate cerise après cuisson, ensuite encore une belle mozza, sauf que là je vais l'effilocher comme ça après cuisson. Oh, c'est beau, c'est gourmand. Comme d'hab, le petit filet de balsamique. Ça, on y va, on bégaye pas. Et là, on est bien. Une pizza, une. Comme tout à l'heure, elle est belle aussi. Mais là, c'est différent. C'est pas une boule de burrata en plein milieu. C'est carrément une boule de 10 bouffala, coupée en morceaux comme ça. C'est propre, c'est bon, c'est coloré. Pareil là, c'est, ça croustille bien. Allez, on coupe ça. J'avoue, oh, perd un morceau. Allez, on goûte. La bouche est parfaite. Balsamique, sucré. La burrata crémeuse. La bressaola qui est un peu salée, séchée. La pâte qui est croustillante mais à la fois moelleuse. Le basilic qui apporte du côté de fraîcheur. On caramélisé. Sucré salé. Pas de texture, de goût, comme j'aime. Parfait. Bon, une part à manger en moins de 10 secondes. Tellement que c'était bon. Et à côté, il y a Poldav qui mange sa pizza veggie. Voilà, ça annonce exceptionnel. Bon bah du coup, on mange ça. Bon appétit. Et moi après, je passe à la troisième pizza. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
J'ai mangé deux pizzas, je suis calé. Non, je rigole. Du coup, Paul là me fait la troisième pizza. Il m'a embauché. Vas-y, je t'embauche, je fais ce que je veux. Carte blanche. Oula, ce bi. Celle-là aussi, hein. Elle est belle, mais c'est tellement blindé en jambon de rôti aux herbes là, chose que tôt, que forcément, ce qu'il y a dessous, on sait pas. Aubergine, oignons, champignons, je me souviens plus. Du coup, on coupe ça. Oh, facilement en plus, magnifique. Oh. Allez, bon appétit. Lourd. Je vais manger en 2 minutes. Bon, après 3 pizzas, il faut un dessert. Je prends la moitié d'une pâte à pizza. Et dedans, dans la pâte, je vais mettre un ingrédient mystère. À savoir, une belle burrata. Une burrata dépouille. On va essayer de bien l'essorer parce qu'il y a trop d'eau là. Bleh. Olé. On va la recouvrir. Comme il se doit. Allez, et là direct au four. Au four? Ah ouais, direct. Pas le temps, hein? Ah, direct. Ok, au four. Bon, du coup, tout le temps qu'on a parlé, bah, elle a refroidi. Mais bon, normalement, c'est en mode food porn. Mais bon, ça va. C'est quand même bien crémeux, bien fat. Ça là. Oh là là. On goûte. Je vais goûter avec la pâte, le balsamique et le basilic. Comme ça là. Franchement, on mange ça tous les jours. Easy. Bon app. Fini. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Hein. Malheureusement, il n'y a plus assez de garniture et de pain à pizza. Bon, j'avoue quand même bien manger. Bref, en tout cas, bah, vidéo finie. Comme d'hab, pensez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. La petite cloche pour activer les notifications. Sur mon réseau Insta, Snap, Facebook, TikTok et Discord. Suivez le frérot Paul Dave, les apprentis chefs sur YouTube. Pareil sur son blog, lesapprentischefs.com. Et puis nous, on va tranquillement finir la soirée. Rentrer, nettoyer, balayer, astiquer. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao!